Bonjour, alors je m'appelle Ivan Bourigo, j'ai 26 ans et je suis en troisième année de doctorat de microbiologie au LMSM, donc laboratoire de microbiologie, signaux et micro-environnement à Évreux. J'ai suivi un cursus classique pour en arriver là, donc un bac scientifique, une licence de biologie générale, un master de biotechnologie, donc tout ça en Bretagne, à Lorient. Et ensuite, je suis arrivé ici donc pour faire mon doctorat de microbiologie. Mon sujet de recherche s'intitule « Plantes et phytoprotection persistance ». Donc, c'est un projet qui s'intègre dans le projet Normand Crop Biocontrol, qui est soutenu financièrement par Évreux Portes de Normandie notamment, et travaille à l'heure actuelle dans un but de remplacer tout ce qui est utilisation des pesticides et des produits chimiques qui à l'heure actuelle sont très utilisés dans les champs, mais bien qu'efficaces, qui ont quand même un impact environnemental qui est très négatif. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions biologiques et éco-responsables avec une efficacité semblable. Parce que donc dans la rhizosphère, donc l'environnement au niveau des racines et des tubercules, on a des bactéries bénéfiques, des bactéries pathogènes, et donc il y a une certaine balance, un équilibre, et nous on essaie donc d'empêcher un déséquilibre vers l'aspect pathogène qui va engendrer une maladie par la suite. Avec l'idée au final, c'est de réussir à formuler quelque chose, un produit qu'on pourra mettre dans le sol et qui pourra protéger sur du long terme. Et donc nous notamment, on utilise cet aspect de biocontrôle avec plusieurs bactéries au niveau des pommes de terre, qui donc notamment en Normandie, c'est une culture qui est relativement importante et qui est sensible à un certain nombre de pathogènes, dont certaines bactéries. Alors, moi, personnellement, ça fait 2 ans et demi que je travaille sur ce sujet-là. Donc, je suis arrivé pendant mon stage de Master 2, où là, j'ai pris en chemin le projet de recherche, qui, lui, a commencé il y a à peu près une vingtaine d'années. Une sorte de satisfaction, on va dire, parce que c'est toujours plaisant et satisfaisant de réussir ce qu'on fait. Parce qu'en recherche, on parle souvent de tout ce qui marche, mais il y a majoritairement des échecs et des choses qui ne fonctionnent pas, qui font ensuite qu'on comprend ce qui ne va pas et qu'on arrive à faire fonctionner ce que l'on voulait faire à la base. Donc c'est vraiment de la joie et de la satisfaction de réussir dans ce qu'on entreprend. Au bout de 2 ans et demi, donc là on a réussi à observer par microscopie notre bactérie avec son mécanisme d'action. Et donc ça, c'est quelque chose que jusqu'alors, dans la littérature, il y avait rien du tout sur cette bactérie-là. Donc on a réussi à observer le mécanisme. Donc c'était l'observation du système de sécrétion donc d'une bactérie. Pour d'autres bactéries, c'est fait, mais pour la nôtre, en tout cas, il y avait rien. Et donc on a découvert ça. Donc c'était vraiment vraiment sympa, parce que donc déjà la joie de réussir ce qu'on a entrepris, et en plus de ça, donc on a découvert des choses vraiment très intéressantes qu'on ne soupçonnait pas forcément. Du coup, c'est vraiment une surprise, et la joie et du coup l'envie de continuer pour aller encore plus loin et continuer à trouver de nouvelles choses sur cette bactérie notamment.